Merci. Bonjour à tous. Donc, ça c'est un PowerPoint. J'ai fait une école d'ingénieur, donc j'ai été formé à faire des PowerPoint en fait. C'est un outil de communication. Ça veut dire qu'on peut, on peut communiquer avec lui. Bon, on peut essayer. Moi je me suis rendu compte une fois que l'interaction avec un PowerPoint c'était vraiment difficile. J'étais dans une... dans un entretien d'embauche, et puis vu que je travaillais en même temps, j'avais préparé mon PowerPoint une semaine avant, et j'avais eu d'autres choses à faire, une autre partie de PowerPoint à faire après. Du coup, je ne l'avais pas vraiment revu, et quand je me suis lancé pour commencer à parler avec le PowerPoint, en fait, les idées arrivaient dans ma tête différemment de comme je les avais mises une semaine avant. Et j'étais là, je parlais, et le PowerPoint me coupait la parole constamment. Et les idées arrivaient différemment en fait dessus, et c'était insupportable en fait. Et je me suis rendu compte que c'était pas vraiment un outil de communication. Et pour moi, le PowerPoint, ben, c'est un peu comme un prof chiant. Je sais pas si vous en avez déjà eu. Disons que c'est un outil qui va s'intéresser au fait que vous l'écoutiez, qui suit son rythme et qu'on n'a pas grand-chose à faire de ce que vous pouvez dire ou pas. Et puis ce qui l'intéresse, c'est que vous soyez gentil, que vous preniez des notes, et puis éventuellement derrière, de faire un petit contrôle pour vérifier que vous avez bien appris ce qu'il a voulu vous dire. Mais on n'est pas vraiment dans l'interaction. Et j'ai une bonne nouvelle, c'est que j'ai trouvé le truc, quoi, contre les profs chiants. Je me suis vengé. Bien. Je suis devenu prof à mon tour. Et ça, c'est cool, quoi. C'est cool parce que les élèves, franchement, bon, c'est pas des lumières, quoi. Enfin, faut pas rêver, quoi. J'étais prof de bio et puis j'essayais de leur expliquer un petit peu quels étaient les organes qu'on avait dans les articulations. On travaillait sur l'articulation du genou, donc je leur demandais un petit peu quel type de blessure vous connaissez qui fait que vous allez plus pouvoir vous déplacer pour revenir un petit peu pour chaque blessure sur un organe, quoi. Et là, il y a un élève qui me sort. On a des ligaments parce qu'on peut se les croiser. Et puis alors j'étais prof de bio et quand même prof de matière scientifique, si on essaye de leur demander de faire des maths quand on est en prof de bio, c'est la fin du monde. Pourtant c'est pas compliqué de faire des maths. Moi j'avais un prof de maths qui disait qu'on sait faire des maths si on sait calculer la probabilité d'être toujours bloqué quand on joue aux petits chevaux après avoir lancé 6 fois le dé. Les élèves, eux, ça les bloque, hein, ils n'aiment pas ça.
Bon, bah, moi, j'ai été élève pendant longtemps. J'ai été élève au collège, même avant, au lycée. J'ai été élève en classe préparatoire. Et puis, j'ai été élève ingénieur. J'ai toujours été considéré, en fait, comme quelqu'un que la société voulait prendre et puis élever, quoi. J'ai jamais pu devenir étudiant. Étudiant et vraiment faire étudier ce que j'avais envie de découvrir, quoi. Alors moi j'étais un élève plutôt sage, je faisais ce qu'on me demandait, j'étais gentil, puis j'avais un papa professeur, alors je m'imaginais aussi que les profs c'était peut-être mes parents, et puis du coup j'ai fait ma scolarité et puis ça s'est bien passé, quoi. Mais en fait j'avais pas spécialement envie d'être élevé ou quoi. Ce que je voulais, c'était m'intéresser au monde, comprendre comment il fonctionnait, comprendre qui j'étais, quelle place je pouvais avoir dedans, ce que je pourrais faire dedans, et puis agir, parce que quand même j'avais l'impression qu'il allait pas très bien, il y avait des guerres, il y avait plein de trucs. Et donc heureusement j'ai eu des moments dans ma scolarité où j'ai pu réellement être étudiant et me forger ma personnalité et ce que je pensais. Grâce à des profs qui changent la vie, des profs qui sont dans l'interaction. Je me souviens notamment de ma prof de seconde qui nous avait fait venir une intervenante de l'ONU. Et puis, elle nous avait fait travailler sur un texte qui s'appelait « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs ». Bon, c'était un texte qui avait été écrit par Nicolas Hulot et puis lu par Jacques Chirac à l'ONU. Mais ça décrivait un petit peu... Ça décrivait un petit peu la situation écologique du monde dans lequel il était. Et moi, ça avait été quand même une certaine prise de conscience et une volonté de me dire, mince, mais il y a des choses à faire, quoi. Et puis c'est pour ça qu'après, j'ai continué notamment dans la bio, parce que je voulais comprendre un petit peu tous ces mécanismes écologiques, comment ils fonctionnaient. Et puis, il y a eu des voyages pendant lesquels j'ai pu étudier, en Allemagne notamment. Je crois qu'en Allemagne, ils étaient plus cool, hein. On pouvait manger, on pouvait boire, tout, c'était plus sympa. Et puis il y a eu un moment dans lequel je me suis senti vraiment bien aussi, c'était mon mémoire de fin d'études, ou plutôt même tout mon Master 2, ma dernière année, où j'ai fait un Master 2 qui m'a permis donc d'arriver à ce diplôme. Master Recherche en Sciences Humaines et Sociales, à finalité Recherche. La mention du Master, c'était Innovation et Développement des Territoires Ruraux, et moi j'avais fait l'option Agronomie et développement. Alors ce master, pourquoi il m'a permis de me développer? Parce qu'on avait du temps libre déjà, et puis parce qu'on nous demandait de réfléchir, d'arriver à pondre des choses, et puis d'élaborer des textes et tout ça, et puis on faisait vraiment de la recherche, on avait une vraie méthodologie scientifique, on travaillait, et ça m'a beaucoup plu, j'ai beaucoup travaillé, et je suis content de pouvoir dire que finalement, on reconnaît le fait que j'ai pu étudier un petit peu l'agronomie. Parce que j'ai vraiment fait énormément d'agronomie dans ce master. C'était un master de recherche en sciences sociales. Mais en fait, ça me permettait vraiment de faire de l'ingénierie agronomique, c'est-à-dire de penser en fait à quoi va être utile les techniques ingénériques que je sers, à me dire comment les mettre en œuvre, et est-ce que réellement elles sont utiles pour la société pour laquelle je suis censé avoir, en tant qu'ingénieur agronome, les compétences pour les mettre en œuvre. Donc il y avait toute cette réflexion-là, et j'ai vraiment eu l'impression de faire beaucoup plus d'agronomie que quand j'étais en école d'ingénieur. Parce qu'en effet, dans ma scolarité, je me suis retrouvé en école d'ingénieur. J'avais pas fait vraiment exprès, en fait, d'arriver là. On m'avait dit ça se passe bien quand tu es au collège, quand tu es au lycée, va en prépa. Et puis en prépa, une prof qui m'a dit « Quoi ? Mais tu voudrais retourner à la fac derrière, faire bio ?»« Oh non, tu sais, elle était prof de physique-chimie, elle. Moi, j'ai fait une école d'ingénieur en chimie, c'était vraiment une expérience intéressante. Tu découvres un autre monde, tu découvres autre chose, et puis si tu as envie après, tu retourneras à la fac ou faire autre chose ou quoi ?» Elle m'a dit « Ouais, voilà, je te conseille d'aller en école d'ingénieur. » Donc moi, j'ai regardé les écoles d'ingénieur qu'il y avait après une prépa bio, ça parlait d'agronomie. J'ai lu « Ouvert un bouquin d'agronomie », c'était Pierre Rabhi et Nicolas Hulot qui discutaient ensemble sur qu'est-ce qu'on pouvait faire pour sauver le monde. Bon, j'ai trouvé ça intéressant, je trouvais qu'on pouvait y faire des trucs cool, quoi. Et puis, euh,
Et puis du coup, je me suis dit, bon, bah allez, pourquoi pas, je partirai en école d'ingénieur. Mais voilà, j'avais pas forcément réalisé ce que c'était qu'une école d'ingénieur et tout ça. Et donc aujourd'hui, finalement, je suis quand même très satisfait de mes études. Je suis bien content de tout ce que j'ai découvert et de tout ce que j'ai appris. Seulement, ben, pour avoir ce master-là, j'ai pas pu tout dire. J'ai pas pu dire vraiment qui j'étais, comment j'avais envie de travailler ou quoi. Bon, j'ai fait un bon mémoire, j'étais content quand même, c'était un bon pavé, mais j'y ai mis surtout des choses scientifiques, quoi. Et puis, y a tout le reste, quoi. Y a ma vie, il y a ce que je pense, il y a ce que j'ai envie de faire dans le monde qui sont au cœur, en fait, de ce que vont être mes activités et de comment je vais agir derrière en tant que professionnel. Et tout ça, j'ai pas eu le temps de le dire, donc je me suis dit, bah tiens, il faudrait faire une deuxième soutenance de mémoire pour pouvoir réexpliquer un petit peu tout ça. Et notamment une chose un peu bizarre que j'ai fait dans mon parcours qui était de refuser mon diplôme. En fait, j'ai pas forcément très bien vécu mon école d'ingénieur, voire même pas du tout. Il y a eu beaucoup de bons moments, beaucoup de très bons moments, de grands fous rires, plein de copains, plein de choses. Mais à côté de ça, il y a aussi des moments vraiment pas agréables. Et ça s'est terminé un petit peu par une discussion avec mon professeur, enfin avec mon directeur de la vie étudiante, qui m'expliquait que, enfin, donc on avait réussi à réunir un petit peu tout ce que je vais vous présenter là, et donc à vouloir en discuter avec lui, et il m'a répondu, mais si vous pensez ça, pourquoi vous n'allez pas à la fac? Donc bah, je suis allé à la fac. Et pour faire une seconde soutenance, c'est quand même pas facile. C'est resté longtemps une insoutenable soutenance. Et il m'a fallu un peu d'aide, quoi. Et notamment au sein d'Ingénieurs sans frontières, donc il y a une association dont l'objectif un petit peu est de mettre du sens dans la technique et pour la mettre au service de la justice environnementale et sociale. Et en fait, dans l'école à Montpellier, on avait un groupe avec des élèves avec lesquels on a pu énormément échanger. Et puis au niveau de la fédération également, donc il y a toute une thématique qui se développe sur l'ingénieur citoyen et qui en fait, à force de travailler la solidarité internationale et puis finalement d'essayer à comprendre comment fonctionne le monde, il y a eu une thématique de travail sur pourquoi les écoles d'ingénieurs ne nous forment pas directement à ça et pourquoi nous on est obligé de se former à côté. Et donc de dire, tiens, on va mettre ces thèmes-là dans les écoles d'ingénieurs. Et puis ça marchait pas, ça c'était au début des années 2000. Plusieurs échecs, et donc finalement de dire on va financer une thèse pour comprendre ce que c'est qu'une école d'ingénieur et pourquoi on n'arrive pas à changer les cours un petit peu au moment. Et donc c'est cette thèse là que je vais notamment vous vulgariser ce soir, de qu'est-ce que c'est qu'une école d'ingénieur et comment ça fonctionne. Et donc ça m'a permis de prendre du recul et de comprendre un petit peu tout ce que je vivais. Et puis la deuxième expérience, c'était une formation conférence gesticulée avec beaucoup de gens qui sont là ce soir et avec lesquels on a pu travailler pour monter cette forme de conférence. Donc voilà, bienvenue à ma seconde soutenance de mémoire. Il y avait une question qui m'obsédait un petit peu en école d'ingénieur, et comme j'avais fait une formation porteur de parole, je me suis baladé avec une pancarte avec la question écrite dessus, dans la rue, dans l'école, pour interroger les gens, et pour essayer de voir un petit peu leurs réponses et d'y comprendre un petit peu, d'y voir un petit peu plus clair. On va commencer en prenant vos avis, et puis on va noter tout ça. Qu'est-ce que c'est pour vous qu'un ingénieur? Je vous écoute. Un cadre. Un cadre. Des carrés, quoi, l'ingénieur. Alors, un inventeur d'ouverture facile. Non. Ouais. Un génie. Alors je fais un tout petit point étymologique. Non, parce que c'est important. Ingénieur, ça vient de engin.
En fait, le terme est apparu dans la langue anglaise pour désigner les personnes qui s'occupaient des engins de guerre. Un crétin, alors. Ouais, ingénu. Quoi d'autre? Qu'est-ce que vous pensez? Pardon? Un matheux. Un matheux? Une personne qui est censée pouvoir résoudre des problèmes complexes. Un concepteur de système d'engin. Et savoir-faire technique. Un statut social. J'en ai loupé un statut social, et avant il y avait quoi? Un technicien. Savoir-faire technique. Un technicien. Un système industriel, un chez nous, c'est système industriel. Chez nous du système industriel. Un solutionneur de problèmes. À la fin, ça marche les autres. Un intello, un chef. Un mec avec des lunettes. Je le rajoute après l'intello, ok? Il y en a aussi. Hein. Avec des lunettes. Un chef. Un homme et pas une femme. Un homme et pas une femme. Il paraît qu'il y a des femmes, mais je sais pas. Oui, mais enfin, plein de clichés quand même. Il dit ingénieur. Un fossoyeur. Un fossoyeur, un expert. Bon, je crois qu'on arrive à la fin de la diapositive, là. Pourquoi un fossoyeur? Par rapport à là où il avance, les éléments naturels vont plus, en général. D'accord. Ça, c'est un fossoyeur. C'est bon, ça vous va? Ouais. Eh ben c'est riche. On va voir un petit peu si le PowerPoint a envie de communiquer. Ah, non. Bon bah on va avancer et puis on reviendra dessus. Alors, bah c'est pas revenu pourtant même dans l'introduction on en avait parlé. Ingénieur, c'est avant tout une élite, quoi. Quand même. Moi, quand je suis rentré en classe préparatoire, il y avait le discours de mon directeur d'école, on dit proviseur, quoi, qui nous a expliqué qu'on était l'élite de la France parce qu'on était en classe préparatoire. Et puis, on était l'élite de la France parce qu'on était en classe préparatoire au lycée Champollion à Grenoble. Et on était l'élite de la France, parce que on était dans l'internat du lycée Champollion en classe préparatoire à Grenoble. Et puis après je suis rentré en école d'ingénieur, et puis il y avait le discours de mon directeur d'études qui nous expliquait qu'on était l'élite de la France parce qu'on avait fait une classe préparatoire, qu'on était l'élite de la France parce qu'on avait réussi à intégrer une école, et qu'on était l'élite de la France parce qu'en plus on avait intégré Supagro, qui était forcément la meilleure école. Bref, donc, ce discours élitiste de l'ingénieur, en fait, ça a été vraiment structuré par Napoléon, qui a créé le titre d'ingénieur, début du 19e siècle. Il a créé un titre d'ingénieur pour remplacer, en fait, le titre de noblesse, parce que la Révolution, ça avait un peu fait chier, quoi, ça avait supprimé un peu ce titre de noblesse. Et il y avait des nobles qui avaient envie de pouvoir avoir un titre, et puis il y avait des bourgeois qui avaient envie de pouvoir avoir aussi quelque chose de supérieur un peu pour justifier le fait qu'ils soient directeurs d'usine, qu'ils emploient plein de personnes ou quoi, montrer qu'ils étaient un peu supérieurs. Donc Napoléon a recréé un titre de supériorité. Mais on dit que c'est une élite parce qu'ils ont réussi, quoi. En fait, quand on regarde les chiffres, pas trop, quoi. Bon, le titre de noblesse, il se transmettait de père en fils. Le titre d'ingénieur, bon, c'est presque ça, quoi. Benjamin en a parlé tout à l'heure, mais quand on regarde Bourdieu ou la noblesse d'État, on a vraiment une vraie fonction sociale du système scolaire français qui permet la reproduction des classes, et donc derrière l'élitisme, en fait, d'apporter
de remettre au niveau des classes supérieures les enfants des personnes des classes supérieures. Moi, j'avais pas forcément trop ce sentiment de réussite, quoi, avec mon père était ingénieur. Mon père, il est... Par contre, lui, il avait réussi, un peu. Parce que mon grand-père, il était boulanger. Il était boulanger, et bon, mon père, il pensait être boulanger, sauf que... Il avait un prof de maths, qui, en troisième, qui mettait des coups de baguette sur les doigts. Quand les élèves, ils travaillaient pas. Et du coup, mon père, il avait pas envie d'avoir mal aux doigts, donc il travaillait. Et comme le prof de maths, il était influent, il avait dit non, bah lui, il ira au lycée. Et puis bah, après, mon père, il a fait des études et puis il s'est retrouvé ingénieur. Sinon, il aurait été boulanger grâce à des coups de baguette. Et du coup, moi, voilà, j'ai pas spécialement ce sentiment d'avoir réussi, quoi, vu que mon père était ingénieur. Quand j'ai commencé les études, quand j'étais petit, j'avais envie un peu de réussir, d'être bon, des choses comme ça. Parce que je vous ai pas dit, mais j'étais aussi un peu mauvais perdant. Et donc à l'école, il y avait des notes, donc j'avais envie de gagner, quoi. À la maternelle, j'étais sur la table des bons, parce qu'il y avait la table des mauvais, la table des moyens, la table des bons. À la maternelle, oui. Et donc j'étais bon, et puis voilà, puis j'étais pas content. Et puis un jour j'ai eu un 8 sur 10 en maths, j'étais en CM1, et le soir, j'ai fait une énorme crise d'urticaire, tellement je m'en voulais de ne pas avoir eu 10 sur 10, parce que j'avais fait une erreur trop bête. Et après, ça m'a duré quand même une semaine, la crise d'urticaire, et puis c'est vraiment pas cool. Donc j'ai commencé à me dire, bon, mets-toi un peu moins l'impression, quoi. Mets-toi un peu moins l'impression, et puis, bah, si tu travailles, c'était pour autre chose, quoi. Et donc j'ai cherché autre chose, et puis c'est après que j'ai pu, voilà, rencontrer des choses intéressantes à vouloir étudier. L'étudier vraiment parce qu'il y a des choses qui m'intéressaient, et pas juste pour être quelqu'un qui a réussi, quoi. Et moi, tout ça, ça m'a plutôt donné le vertige. L'ingénieur, c'est quelqu'un qui a un diplôme d'ingénieur. Il est content d'avoir son diplôme. Bah ouais, parce que en fait, on n'en a pas parlé, mais vous, enfin, n'est pas ingénieur qui veut, quoi. Il faut avoir fait une formation qui est habilitée par la CTI. La CTI, c'est la Commission des titres d'ingénieur. La commission des titres d'ingénieurs, c'est que des ingénieurs qui se regroupent entre eux et qui définissent ce que c'est qu'un ingénieur et qui disent ce que doit être une école d'ingénieurs. Ils font le législatif. Quand je dis qu'ils font le législatif, c'est que quand on appelle le ministère de l'enseignement supérieur de la recherche, le ministère de l'agriculture, pour leur demander ce qu'ils font sur les écoles d'ingénieurs, ils disent « Ah ben nous, texto, on s'occupe de valider ce que la CTI nous propose parce que c'est eux les ingénieurs, ils savent ce qu'il faut faire pour les ingénieurs. » Et donc, il y a des ingénieurs, c'est neutre, ils sont là, ils font ça techniquement, et puis tout va bien, quoi. Et y a un lobby aussi qui défend ce système qui rentre, c'est la CGE. La CGE, c'est la conférence des grandes écoles. En fait, c'est qu'ils ont eu un peu de mal quand il y a eu mai 68, tout ça, quand même, les ingénieurs à juste défendre leur titre de supériorité. Donc ils se sont alliés à partir des années 60 avec les écoles de commerce, avec Sciences Po, avec l'ENA, pour rentrer dans un lobby qui s'appelle la conférence des grandes écoles pour dire non, nous quand même, on est un peu au-dessus de tout ce qui se fait à l'université, laissez-nous bien deux voies séparées. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui savent pourquoi le diplôme d'ingénieur il se délivre pas à la fac, enfin pourquoi il historiquement, c'est séparé. Et ben, en fait, c'est la fac qui a snobé les écoles d'ingénieurs à la base. C'est-à-dire quand elles se créent, les écoles d'ingénieurs, elles acceptent tout le monde, même ceux qui n'ont pas le bac. Et comme la fac, bah, c'était le lieu de reproduction à la base des classes supérieures et de la noblesse, et ben, elles ont dit, la fac a dit non, on n'accepte pas que les écoles d'ingénieurs rentrent au même niveau que la fac, elles seront à côté. Puis bon, après, c'est avéré que le diplôme d'ingénieur étant devenu très intéressant économiquement et du coup très valorisé, bah, les lycées ont essayé d'y envoyer leurs meilleurs élèves, donc ils ont commencé à faire des prépas pour y envoyer leurs meilleurs élèves.
Et Napoléon, voyant ce système qui avait pris tant d'importance et étant tellement élitiste, a décidé de titrer le diplôme d'ingénieur. Un ingénieur, c'est aussi quelqu'un qui fait le lien entre la science et la société. Ça, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup quand on est en école d'ingénieur. Vous êtes ceux qui ont une formation scientifique et qui vont pouvoir l'apporter dans la société. En gros, ceux qui possèdent la technique, quoi, l'application de la science. Moi, j'avais un prof qui m'a expliqué, donc c'était pas en école d'ingénieur, mais c'était quand j'ai fait mon master 2 avec la fac, qui m'expliquait qu'en fait, cette place d'ingénieur, elle s'est créée petit à petit au cours du 16e, 17e siècle, en fait, où globalement, avant, il y avait une hiérarchie très claire dans la réalisation de projets techniques, dans le bâtiment, dans tout ça. Il y avait le maître et il y avait l'apprenti, quoi. Et puis, bah, l'apprenti, il était avec le maître, et il apprenait du maître, et le jour où il en savait assez, il devenait maître. Et quand il s'agissait de faire un projet, eh ben, chaque maître arrivait avec ses apprentis, et les maîtres discutaient ensemble de comment il fallait faire, et puis construisaient une cathédrale ou un pont. Et bon, lui nous avait expliqué, à mon prof, que c'était en Italie, lors de la construction d'une cathédrale, où un soir, il y avait des maîtres qui discutaient entre eux, qui étaient restés un peu pour savoir ce qu'ils faisaient le lendemain, et que le clerc du coin avait passé, et a vu ce qu'ils faisaient, et disait, bon, bah, ça c'est très bien, demain vous direz aux autres qu'on fait ça pour la suite du bâtiment. Et qu'en fait, ils ont commencé à séparer, d'avoir des personnes qui décidaient pour les autres et des autres qui faisaient du coup de la main d'œuvre. Et cette séparation en fait entre les personnes qui travaillent et qui construisent, bah, elle avait un énorme intérêt, c'est qu'elle était hyper efficace et donc économiquement elle apportait énormément. Et si on a gardé après ce système là, c'est que bah, finalement avec l'essor du capitalisme aussi, bah, on cherchait à avoir juste quelqu'un qui sait, un col blanc, et puis qui dira aux autres comment travailler, parce que c'est beaucoup plus efficace. Et donc on a créé une autre façon d'enseigner, puisqu'il ne s'agissait plus de faire des maîtres et des apprentis, c'est à ce moment-là qu'on a créé des écoles d'ingénieurs, pour pouvoir transmettre cet enseignement-là, et donc arriver avec plein de personnes qu'on peut payer pas trop cher, parce qu'ils ne sont pas qualifiés. On entend autre chose aussi sur quelqu'un qui fait le lien entre la science et la société, on l'a eu tout à l'heure, c'est de dire, bah, du coup l'ingénieur, vu que c'est lui qui a la connaissance, bah, on attend à ce que ce soit lui qui soit capable de résoudre des problèmes complexes, de trouver des solutions quand on lui demande, ou alors d'être polyvalent, adaptable et tout ça. En tout cas, on entend tout ça quand on est en école d'ingénieur, quoi. J'ai l'impression que l'ingénieur, parfois... Bon, l'ingénieur, c'est pas que ça, c'est aussi un cadre. Un joli cadre. L'ingénieur comme cadre, c'est beaucoup plus récent. Pendant longtemps, c'est resté un col blanc. Et l'ingénieur comme cadre, on doit ça à Vichy, en fait. Vichy, on est en pleine période donc de croissance économique exceptionnelle. On cherche à optimiser le mieux possible la production dans les usines. Et on se rend compte que dans l'armée, bah, ils font des trucs bien, quoi. Ils ont un commandant qui dirige les autres. Et puis ça fonctionne bien, quoi. Donc on se dit, bah, pourquoi pas faire la même chose. Et en fait, le fondement de ce que sont aujourd'hui les enseignements de sciences économiques et sociales en école d'ingénieurs, qui sont des enseignements pour devenir cadre et pour apprendre à gérer des ouvriers, a été créé par Vichy. Alors il y avait quelques petites brides avant, il y avait aussi beaucoup d'expériences aux États-Unis, mais en France en tout cas, c'est avec les écoles expérimentales de cadres, et notamment l'école des cadres du Riage, qu'on introduit la notion de management et de gestion des ouvriers pour aller au plus proche d'eux, et que le col blanc, qui était l'ingénieur, va devenir aussi un cadre et quelqu'un qui doit gérer les ouvriers. Vichy du coup a fait par la suite toute une façon de différencier ce type de travailleur des autres.
Je suppose que vous savez ce que la FNAC veut dire. Pardon ? Fédération nationale des achats de cadres. Parce que les cadres, ils n'achètent pas comme les autres. Ils sont un peu au-dessus, ils ont une culture un peu différente. Donc, il faut leur faire autre chose. Et puis, on leur a donné aussi un statut différent, des syndicats différents. Bref, voilà, c'était plus les mêmes travailleurs que les autres. Donc, on dit l'ingénieur, c'est un cadre. Et puis après, des fois, quand je me baladais dans la rue, j'avais une autre réponse. Non, ça c'est un blanc, c'est pour faire une pause. Ça fait du bien. J'avais un copain qui m'expliquait qu'il avait un prof qui leur avait fait une expérience. Ils avaient des feuilles avec des points, des points, des points, des points, des points. Et ils devaient mettre une barre tous les 10 points. Pendant 6 minutes. Et donc il y avait un groupe qui faisait ça. Et l'autre groupe qui faisait la même chose. Mais au bout d'une minute, ils s'arrêtaient. Ils faisaient une pause de 10 secondes. Où ils devaient lever la tête, et ils reprenaient. Mais ils avaient le même temps au total, sauf qu'il y en a qui avaient fait des pauses et d'autres non. Et au final, le groupe où ils avaient fait des pauses avait mis beaucoup plus de barres que les autres. Il était militaire. Et donc je disais, l'ingénieur c'est aussi un chien de garde, quoi, avec le fait d'être cadre, ça c'est des choses qu'on nous renvoie. Bon, c'est un peu méchant. Mais du coup, j'ai des citations qu'on a récupérées au sein de la CTI. Donc s'il y en a qui veulent jouer aux ingénieurs qui sont dans la CTI et qui veulent les lire, bien fort pour tout le monde. Ouais. Salut. Vas-y. Tourne-toi bien vers les autres pour. L'avantage du modèle français réside surtout dans les CPGE, classes préparatoires aux grandes écoles, qui apprennent à nos cadres français à travailler très intensivement pendant très longtemps, qui commencent tôt le matin et finissent plus tard que tout le monde. L'avantage, c'est que l'idée qu'il existe une alternative à l'économie de marché a disparu chez les jeunes. La génération Y est donc une bonne génération pour l'entreprise. Il faut qu'on arrive à convaincre nos dirigeants que l'enseignement supérieur est une marchandise commerciale comme une autre. Donc en fait, je vais vous dire quand même qui est-ce qui dit ça à la base, mais globalement, quand il dit ça, tout le monde est d'accord, quoi. Parce qu'ils sont tous ingénieurs et... Ils sont tous neutres, quoi. Les deux premiers, c'est le responsable formation du MEDEF. En fait, il siège à la CTI et en fait, il y a majoritairement le MEDEF qui siège à la CTI. Ah oui, c'est neutre. Et les autres sont politiques et sont sales. Parce que les ingénieurs ne s'occupent pas de politique, hein, quelqu'un l'a très bien dit. Eux, ils font juste voilà, quelque chose de neutre et de clair. Et la dernière citation, c'est... le directeur de l'école des mines de Saint-Étienne, qui était président de la CGE notamment aussi, mais voilà, sur la marchandisation des écoles d'ingénieurs. Donc en fait, petit à petit, j'ai commencé à comprendre que l'école d'ingénieurs, c'était pas forcément le lieu où on venait pour apprendre vraiment des techniques ou quoi, mais c'était plutôt le lieu où on allait pour, en tout cas le système classe préparatoire et école d'ingénieurs, pour devenir... des cadres super productifs pour le patronat et donc un chien de garde, quoi, quelqu'un qui va s'occuper de la défense des intérêts des patrons et surtout jamais se tourner vers les ouvriers, quoi, mais avoir ces petits privilèges, en profiter, les garder et s'assurer qu'ils les gardent, quoi. Et en tout cas c'est l'orientation avec laquelle la CTI s'occupe de dire ce que doivent être les écoles d'ingénieurs. Alors après, elle s'occupe surtout du modèle dominant. Parce que lorsque la CGE a été fondée, avec toutes les écoles d'ingénieurs, les plus grandes écoles se sont rendues compte qu'elles avaient besoin de toutes les autres écoles pour pouvoir faire un lobby assez important pour défendre cette idée-là et défendre le fait qu'elles sont
supérieur au reste de la fac et tout ça. Mais moins l'école va être élitiste et plus on va avoir quand même des cours qui permettent d'apprendre des choses comme ça et pas uniquement à globalement être un cadre des entreprises et des besoins des industriels. Moi, la première fois que j'ai vraiment eu affaire à des chiens de garde, j'avais 15 ans à peu près, j'étais en Allemagne et j'étais chez mon correspondant et c'était une grosse fête de fin d'année, quoi. C'était la fin des cours et puis s'est trouvé que le lieu où on faisait la fête était juste à côté de la piscine municipale. Bon bah du coup on a commencé à escalader les grilles, quoi, on passait et puis on court vers la piscine et là on était une cinquantaine et puis à l'allemande, quoi. Tout le monde se dessape, quoi. À poil complet, et puis, vous avez compris, quoi. Et dans l'eau, et grand bain de minuit, quoi. C'était assez hallucinant, j'aurais jamais imaginé faire ça en France. Et puis là, on commence à voir une petite lumière au fond à un moment donné, et on comprend que c'est les flics, et on fait merde, merde. Tout le monde sort, quoi, se rhabille rapidement. Et puis moi, j'ai réussi à filouter, bon, j'ai évité ce qu'ont eu certains, 2 jours de travaux d'intérêt généraux. Mais c'était quand même vachement marrant, quoi. Enfin, c'est bien. On s'est bien marré. On décrit aussi souvent l'ingénieur comme quelqu'un de responsable. On entend des trucs comme... vous savez, il y a des ingénieurs qui ont fait une étude, qui ont montré qu'il n'y avait pas de soucis, donc c'est bon, on peut leur faire confiance. En français, il y a deux sens à responsable, en fait. Il y a avoir des responsabilités et se sentir responsable. Alors, est-ce que les ingénieurs se sentent responsables de ce qu'ils font? Moi, je pense qu'ils essayent. En tout cas, ce que je connais, oui, ils essayent. Peut-être que certains se posent vraiment aucune question, mais je pense que la plupart quand même essayent de se sentir responsables. Est-ce qu'ils ont des responsabilités? Je sais pas parce qu'en fait l'ingénieur il se retrouve à jamais avoir réellement dans les mains les cadres dans lesquels il va opérer. C'est-à-dire qu'on a créé un système où on a dit bon, c'est toi qui seras responsable des solutions techniques et de la mettre en place. Mais il n'est pas dirigeant d'entreprise ou il n'est pas autre chose. Et en tout cas, on lui demande de mettre son savoir-faire au service généralement de la rentabilité d'un capital en lui disant le temps qu'il a pour le faire et tout ça. Et finalement, il n'est pas souvent à même d'exercer sa responsabilité. Ou alors, quand il aimerait le faire, il y a le joli verrou sociétal de l'emploi qui le pousse à ne pas forcément le faire parce qu'il sait qu'il peut perdre son emploi s'il va critiquer la façon dont un projet est réalisé ou quelque chose d'autre. Donc l'ingénieur, je ne sais pas si on peut vraiment dire qu'il soit responsable de ce qu'il fasse, mais en tout cas, je pense qu'il faut s'intéresser à regarder la responsabilité de façon plus systémique et plus collective, quoi, et que l'ingénieur en lui-même, ce n'est pas parce qu'il est bien formé qu'il essaye d'être responsable qu'il arrivera vraiment à l'être. Moi, je me suis senti la première fois que je me suis senti vraiment responsable, c'était quelque chose d'assez fou, quoi. J'étais chez mes grands-parents, j'avais une dizaine d'années, et on regardait la télé avec mes frères, ils habitent dans le Luberon, donc il faisait chaud, c'était 3 heures de l'après-midi, on regardait des dessins animés. Puis d'un seul coup, il y a ma grand-mère qui vient en bégayant un peu, en disant « qu'est-ce qui se passe ?» Elle ouvre la fenêtre en appelant mon grand-père Et là, on entend une voix qui descend en bas et qui dit « Il y a le feu, les gamins, sortez !» Bon, du coup, avec mes frères, on est sortis, quoi. On s'est retrouvés sur la route, pieds nus, tout ça, en larmes, après comprendre ce qui arrivait. Il y avait mon grand-père qui était avec son jet d'eau, qui arrosait les bouteilles de propane qui étaient au fond du garage, qu'il avait transporté toute sa vie dans son camion. Et il était devant sa maison, donc il avait pu payer... à la retraite en disant non, je reste là, si jamais la maison elle saute, je saute avec. Nous on était là avec mon petit frère complètement en larmes, quoi. Et puis à un moment donné, je pose mes yeux vraiment sur leur visage et je les vois en train de pleurer complètement. Et puis je réalise qu'on est au milieu de la route et tout ça, et qu'on est pieds nus et qu'il y a la maison qui
je peux potentiellement exploser. Donc je me dis qu'il faut partir, mais surtout à ce moment-là, je me sens vraiment responsable d'eux. En fait, ils n'auraient pas été là, ça ne se serait pas du tout passé, mais je me sens vraiment responsable d'eux. Et du coup, je les prends par la main, je les emmène chez la voisine, je sonne, je dis bonjour, il y a le feu, est-ce que vous pourriez vous accueillir, mais vraiment, je suis complètement lucide, je ne ressens plus rien, je ne pleure plus, je ne ressens plus aucune émotion, je sais juste ce que je dois faire, comment le faire. Et ouais, c'est impressionnant comme ça permet de se surpasser, finalement de se sentir responsable de quelque chose et de couper avec les émotions, avec nos peurs, avec tout ça. Donc, pour moi, être responsable, c'est quelque chose d'hyper important et j'ai pas envie qu'on joue avec ça ou qu'on nous instrumentalise sous prétexte de responsabilité. C'est un peu long pour expliquer ce que c'est qu'un ingénieur. Quelqu'un qui a un métier qui fait rêver. Alors quand on se balade dans la rue, c'est souvent des ouvriers qui nous répondent ça. Oh, l'ingénieur, c'est quelqu'un qui a un métier superbe. On peut vraiment faire ce qu'on veut, faire des projets, c'est beau, c'est jamais pareil. On n'est pas dans le quotidien, dans la routine. Ça fait bizarre, ouais, quand on a ça. Je pense qu'effectivement, il y a des ingénieurs qui font vraiment le métier, qui les font rêver et qui s'éclatent. Et heureusement. Après, j'avais une copine qui est à Centrale Lyon. Elle m'expliquait qu'il y a un poste qui s'est monté à Centrale Lyon pour aider les ingénieurs à faire leurs projets professionnels. Et la personne qui est là, elle a globalement pas de travail. Personne vient la voir pour réfléchir à son projet professionnel. Mais par contre, elle a énormément de coups de fil, en fait, d'ingénieurs qui ont la trentaine et qui disent « j'en peux plus, c'est insupportable, je veux changer de métier, je veux changer de voie complètement. » Et moi, quand je me suis baladé, notamment au Mexique, c'est très très fréquent d'arriver dans une auberge de jeunesse et d'avoir globalement un mec qui a la trentaine qui est dans un coin et qui t'explique qu'il était ingénieur et puis qu'il a fait un burn-out et qu'il est parti faire le tour du monde avant de revenir pour faire autre chose. En fait, l'ingénieur, il n'a pas forcément fait le métier qu'il avait rêvé. L'ingénieur, c'est quelqu'un, on lui a dit souvent, bah, tu peux faire une école d'ingénieur, vas-y. L'ingénieur, c'est quelqu'un qui fait ce qu'il peut, quoi. C'est pas quelqu'un qui fait ce qu'il veut, enfin, pas souvent. Et du coup, bah, des fois, ça provoque humainement des catastrophes, quoi. Bon, en tout cas, des gens qui ont besoin de s'en remettre à un moment donné. Alors, l'ingénieur, c'est un maître d'œuvre de la technique. Alors ça, c'est la définition en fait qu'on utilise au sein d'Ingénieurs sans frontières. Pour dire que, bah, globalement, qu'est-ce qui définit l'ingénieur? C'est que oui, effectivement, il est censé avoir reçu une formation technique et qui doit essayer de la mettre en œuvre. Mais c'est une définition qui a pour objectif d'intégrer dans la définition d'ingénieur et dans la réflexion sur l'ingénierie toutes les personnes qui, aujourd'hui, ont dans leur métier à mettre en œuvre des techniques. C'est une définition très large pour penser finalement quelle est la place de la technique dans la société sans segmenter ceux qui ont un diplôme d'ingénieur, ceux qui n'ont pas, ceux qui font des études, ceux qui n'ont pas, mais de dire il y a plein de gens qui soient autodidactes ou qui soient ouvriers ou qui soient n'importe quoi qui aujourd'hui réfléchissent à quelles techniques ils vont mettre en place n'importe quand. Et pour nous, réfléchir à l'ingénierie, essayer de la mettre pour une justice environnementale et sociale, c'est notamment... on inscrit ça comme penser la maîtrise d'œuvre de la technique. Ça, c'est un noir. C'est comme un blanc. C'est pas vraiment pareil. Au final, ça revient même. Comment on pense la maîtrise d'œuvre de la technique? Ingénieurs sans frontières. Comment on essaye de dire qu'est-ce que ça pourrait être qu'un usage citoyen de la technique, enfin en tout cas qu'une mise en place citoyenne de la technique ou quelque chose qui pourrait servir à tout le monde? Eh bien, on essaye de réfléchir, de dire que c'est pas parce qu'on peut faire quelque chose qu'on doit le faire, mais qu'il y a d'autres logiques à prendre en compte. Donc effectivement, quand on pense des techniques, il y a une réflexion qui est de l'ordre de la logique, qui est de l'ordre de plutôt scientifique dans le sens science dure, de qu'est-ce que j'utilise, quelle technique je vais pouvoir mettre en œuvre, qu'est-ce qui va être utile, qu'est-ce qui est possible de faire, quel est l'ensemble des possibles. Ça, c'est effectivement
une façon dont on, sur laquelle on réfléchit et sur laquelle on est formé pour réfléchir. Mais il y a deux autres entrées qui sont pour nous importantes pour réfléchir à la technique. Il y a tout ce qui peut être de l'éthique, et c'est de dire finalement qu'est-ce qu'on a envie de voir dans la société et qu'est-ce qu'on veut faire, quoi. Et voilà, et c'est pas parce qu'on peut le faire juste qu'on doit le faire forcément, non. Il y a aussi, ça peut être intéressant pour servir ce vers quoi on a envie d'aller, ou ça peut être pas intéressant. Et puis il y a le contexte dans lequel on est. Parce que suivant le contexte, eh ben, on ne fera pas les mêmes choix. Et donc en fait, c'est comme ça qu'on essaie de penser la technique, de mettre du sens dans la technique. Donc ça, c'est le diagramme de réflexion qui a été proposé par les méthodes qui s'appellent de l'entraînement mental. Et en fait, c'est des méthodes, c'est rigolo, parce qu'elles viennent aussi de l'école des cadres du Riage, la même qui a défini ce que c'était qu'un cadre. Donc c'est Dumas Dié et d'autres qui ont essayé de penser ces méthodes. Et donc, c'est simplement la fin justifie-t-elle les moyens ? Bon, bah, ça dépend du contexte, quoi. Et du coup, pour nous, penser la technique, c'est ça. La technique, quand on veut la mettre en place ou qu'on veut faire quelque chose, c'est penser, est-ce que ça sert ce vers quoi on a envie d'aller ? Est-ce que c'est possible ? Comment c'est possible ? Comment on peut faire ? Quels moyens on a ? Et est-ce que dans le contexte, c'est réellement approprié ? Et donc moi, c'est comme ça que je me définis en tant qu'ingénieur aujourd'hui pour penser ce que je peux avoir à faire dans mon travail, notamment dans mon Master 2 que j'ai présenté. Je réfléchissais sur la thématique de l'accompagnement technique. L'accompagnement technique, c'est-à-dire comment quand on est avec un projet qui va influer sur la vie des gens, on peut réussir à utiliser notre connaissance technique pour leur permettre de choisir la bonne solution pour leur éthique et pour leur contexte, et pas de leur conseiller ce qu'il faudrait faire en leur imposant du coup quelle éthique et quel contexte ils doivent mettre en place. Et c'était une façon de casser un petit peu le diffusionnisme ambiant de la science qui a raison et qui choisit pour les autres. Une façon de casser la logique PowerPoint, en fait. Et donc, voilà. Moi, j'aime bien utiliser ça. C'est une partie de ce que je peux appeler, finalement, ou de ce qu'on appelle dans l'ingénieur sans frontières, penser l'ingénieur citoyen. Après, il y en a d'autres. Il y en a d'autres, et donc, on va voir un petit peu, maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on arrive en école d'ingénieur. Ça, c'est quand on arrive en école d'ingénieur. En tout cas, dans la mienne qui était un peu élitiste. Quand on arrive, il y a un palmier, puis un autre palmier, et encore des palmiers, ça c'est cool. Il y a des amphis, parce qu'il faut faire des cours où les étudiants sont là pour écouter le prof, et puis c'est tout, et puis on ne discute pas. Et puis ça, en fait, on ne voit pas trop là, parce qu'il n'y a que l'aile droite, mais... C'est le château. Parce qu'il faut un château aussi, ça fait plus noble, ça. Il ne faut pas renier ses origines. Et donc, quand on arrive en école d'ingénieur, en fait, on fait surtout la fête. C'est même la fête du slip, quoi. Pendant à peu près un an et demi, enfin, au moins les deux premières années, c'est sûr, nous, en tout cas, on n'avait quasiment rien à faire. Après, on peut, si on a envie, travailler un peu plus. On a notamment... Enfin, en fait, ce qui arrive, ce qui est bien, c'est qu'on a vachement de moyens, quoi. On a des sous pour l'intégration, on a des sous pour faire la fête deux fois par semaine, on a des sous pour faire le club bière le mercredi soir, on a des sous pour le week-end d'intégration, on a des sous pour le voyage d'études, où on part pendant une semaine faire la fête dans un autre pays, on a des sous pour le week-end ski. Alors, officiellement, sur le programme, c'est pas week-end ski, c'est rencontre de théâtre entre les écoles d'ingénieurs. Tout le monde va au ski. Et, euh,
Et donc on a plein de sous. J'avais compté à un moment donné, par tête, on avait 40 fois plus d'argent qu'un étudiant de la fac d'à côté. En fait, on a des privilèges, quoi. Privilèges qui sont défendus par les profs, hein. On a beaucoup de profs qui militent pour qu'on puisse faire la fête en école d'ingénieur parce que si on ne le fait pas, on va aller faire la fête à côté, on risque de rencontrer des gens bizarres, des gens de la fac, des gens comme ça, il faut qu'on reste entre nous. Et donc, ils militent pour qu'on puisse faire la fête dans les locaux. Et quand même, bon, j'exagère, on a quelques cours. On a quelques cours. Alors, qu'est-ce qu'on apprend en école d'ingénieur? On apprend globalement à avoir une culture générale du domaine technique dans lequel on se trouve. Alors, je vous assure que nous, quand je dis nous, c'est moi et pas mal de copains qui sortaient de l'école, on se demandait vraiment ce qu'on savait faire. Mais on est quand même censé apprendre un petit peu. On avait des modules d'un mois pour voir la production végétale, la production animale, l'agroalimentaire, et puis on enchaînait comme ça et on survolait un peu tout ça. Et je comprenais pas trop à quoi ça servait pendant un an et demi de survoler des trucs comme ça. Et puis un jour, ou plutôt le jour où j'ai été formé à réaliser la technique du porteur de parole, donc j'avais mon carton avec la question. Moi j'avais écrit dessus qu'est-ce qu'un paysan. Je me baladais dans Paris comme ça, avec mon carton qu'est-ce qu'un paysan. Et là je croise un monsieur d'une cinquantaine d'années, les cheveux grisonnants. Des fois, c'est la définition qu'on me donne quand je dis qu'est-ce qu'un ingénieur. On me dit un monsieur grisonnant, blanc, bien sûr. Donc, je croise comme ça et il se tourne vers nous, il voit la question, il tilte un peu, il avance. Puis finalement, il daigne répondre et il nous dit « Ça n'existe plus, les paysans. » Bon, nous, on était un peu surpris. Pas trop parce qu'on avait déjà eu, ce type de réponse, en fait. On avait eu un petit gamin tout black et puis qui nous avait dit il n'y en a plus des paysans. Les paysans, ils sont dans mon pays. Ici, en France, vous êtes tous riches. Il n'y a plus de paysans. Mais là, on sentait que ça n'allait pas être vraiment la même réponse. Et donc, on garde un regard interrogateur quoi, pour lui dire, vas-y, détaille, quoi. Et donc, il se retourne et son argumentaire tombe, quoi. Et je sais ce que je dis. Je suis ingénieur agronome. Et puis, il s'en va. Voilà, on sait des choses, quoi, quand on est ingénieur. On argumente. Ouais. On apprend aussi à faire son réseau. Alors, ça peut être pratique de savoir faire un réseau quand on sait ce qu'on y met derrière. Mais en école d'ingénieur, on ne nous demande pas à réfléchir à ce qu'on met derrière. On nous apprend juste, c'est le mot faire son réseau qu'on entend le plus souvent, quasiment au début. Et on comprend qu'en fait, on ne sera pas derrière, on ne va pas trouver de l'emploi, on ne sera pas jugé selon nos qualités ou ce qu'on sait faire. Mais simplement, on va être jugé par rapport au nombre de personnes avec lesquelles on a pu paraître cool. Quoi. Et on reste toujours ensemble. Toujours ensemble. On fait les interagros, nous, enfin, en tout cas. C'est-à-dire des rencontres sportives entre ingénieurs. On fait tout entre ingénieurs. On a même, enfin, dans l'école, il y avait le directeur qui nous a mis un dépôt de pain dans la cité des élèves. Parce qu'il ne voulait pas qu'on aille à la boulangerie. En même temps, je comprends, ça peut être parfois subversif, les baguettes. Mais voilà, il nous a calé ce dépôt de pain et la boulangerie du coin. Qui s'appelle vraiment la boulangerie du coin, qui était à 100 mètres de l'entrée de l'école d'ingénieurs, et ben c'était trop dangereux d'y aller, quoi. Il fallait vraiment qu'on n'ait pas à sortir une seule seconde de l'école d'ingénieurs. Bien sûr, on fait la fête entre nous. On apprend l'esprit de compétition. Enfin, on apprend à le garder, en tout cas, et à le continuer. Moi, je vous avais dit, ça m'avait déjà un peu foutu des boutons quand j'étais petit, tout ça. Mais en école, on continue, quoi. On continue et ça, c'est le béret qu'on met quand on va aux interagros. Parce qu'en fait, il faut... aux interagros, l'objectif, c'est de montrer qu'on est les meilleurs, quoi. Et donc, on a nos bérets. Et puis, on a nos chansons, quoi.
Et donc, on arrive et on continue, quoi. À Montpellier, on boit, on baise, on boit et on rebaise. On est chaud comme la braise, rien ne nous arrêtera. Encore une fois. Ouais, c'est bon. Bon, on continue quoi, en fait on... Non ? Collaborer spécialement ou quoi ? Non, enfin, il faut toujours rester dans la défense de son école, de ce qu'on a fait, de notre place d'ingénieur entre nous. On apprend à gérer des projets, bien sûr. Alors quand même, ça peut être pratique d'apprendre à gérer des projets. Alors en ce moment, il y a les MOOC là, qui se développent, les plateformes virtuelles, et ceux qui sont les d'apprentissage, je ne sais pas si vous avez suivi ça. Et ceux qui sont les cours les plus suivis, c'est les cours de gestion de projet. Et bon, bah c'est agréable, mais c'est aussi voilà, une autre façon d'apprendre à faire du management de façon un peu déguisée. Et surtout, on apprend l'efficacité, en fait. On apprend globalement à travailler un peu à la dernière minute, à faire ce qu'on nous demande et à surtout pas trop remettre en cause les cadres du projet qu'on nous donne. Parce qu'on nous dit, vous avez tant de temps, tant de moyens, tant de trucs, maintenant faites votre responsabilité. On apprend à obéir, en fait. On apprend à travailler en équipe, rapidement, mais entre nous, hein. Pas avec des ouvriers ou quoi que ce soit, mais c'est vrai qu'on fait beaucoup de projets pour apprendre à essayer de travailler à plusieurs, mais vraiment entre nous, par contre. Et puis, on apprend la bureautique, voilà, faire des PowerPoint, utiliser Word pour faire des jolis comptes rendus, des choses comme ça. Bon, bah, quand on regarde tout ça, ça fait beaucoup de... Enfin, c'est quand même principalement de la forme, en fait, ce qu'on apprend. Il n'y a pas beaucoup de fond. Et moi, j'étais rentré en école d'ingénieur, voilà, j'avais envie de découvrir l'agronomie, j'avais envie de voir ce que c'était, j'avais envie d'apprendre un petit peu à changer le monde, quoi. Et bah, j'étais un peu perdu. Et après, j'ai lu un texte d'un sociologue qui s'appelle Yves-Marie Abraham. Et en fait, il dit, voilà, Bourdieu, il a écrit La noblesse d'État, il a expliqué comment les ingénieurs, c'était des fils d'ingénieurs. Ben moi, je vais aller voir ce qui se passe dans les écoles d'ingénieurs. Et donc, il décrit ce qui se passe dans les écoles d'ingénieurs. Et le titre de son texte, c'est « Du souci scolaire au sérieux managérial ». Et en fait, il explique que l'objectif de ces grandes écoles de la CGE, c'est de nous déscolariser, de nous faire comprendre que chercher à bien faire les choses, à avoir une rigueur scientifique, à aller chercher la petite bête, tout ça, bah, c'est plus ce qu'on va nous demander après. Par contre, ce qu'on va nous demander, c'est de savoir bien faire du management, c'est-à-dire, en gros, d'être efficace sans poser de questions. Et que l'objectif d'une école d'ingénieurs, c'est ça, finalement. Et c'est de récupérer les gens qu'on a placés comme élitistes pour les initier à la culture d'entreprise. Et donc, le sociologue qui a fait la thèse pour Ingénieurs sans frontières dit, il faut voir les écoles d'ingénieurs non pas comme le lieu où on travaille des techniques, mais comme un rite d'initiation à la culture capitaliste. Non. Voilà ce qui nous apprend que c'est une école d'ingénieurs. Yves-Marie Abraham, dans son texte, après, il écrit comment réagissent les élèves quand ils rentrent en école d'ingénieurs. Il fait une typologie. Ça, c'est un jaune. Je vais boire un coup, d'ailleurs. Il fait quatre catégories. Il dit, la première façon de réagir, donc ça correspond parfois à des gens bien stéréotypés, ou après, c'est un type de réaction pour des personnes. Moi j'ai écrit les élus, lui il appelle ça les héritiers.
Il dit, bah, c'est les personnes qui comprennent tout de suite ce que c'est qu'une école d'ingénieur, qui direct sont hyper à l'aise, s'éclatent. Et globalement, bah, ils se mettent un peu les doigts de pied en éventail, quoi. Et puis ils savent qu'à la fin, ils auront du travail, ils auront ce qu'il faut. Et puis voilà, il n'y a pas à se prendre la tête. Globalement, c'est des gens cool, quoi. C'est des gens cool. Ils font la fête, ils s'éclatent, et puis il n'y a pas de problème, tout va bien dans le monde, quoi. Moi, ça a duré à peu près une semaine, quoi. Mais j'ai été aussi complètement dans cette catégorie-là au début. Et puis, il y a un truc qui m'a fait que quand même, j'avais pas envie de rester là-dedans aussi, c'est que j'avais discuté avec mon correspondant allemand quand je partais en prépa. Et je lui avais expliqué que j'allais globalement travailler 2 ans à fond, ça allait être difficile, et que derrière, je pourrais choisir ce que je voudrais faire plus tard, quoi. Et là, il m'avait regardé et il m'a répondu Ah ben, Matt, was machst du denn da? Bist du doch verrückt? Bist du ein Idiot? Warum willst du dich 2 Jahre tot arbeiten? Du weißt gar nicht, was du machen willst. Nimm dir Zeit, geht auf Reisen. Und wenn du weißt, was du machen willst, dann strengst du dich an. Du coup, ça se coupe, quoi. Ah, ça se coupe et. Ça m'avait pas donné envie de rester dans cette catégorie-là, quoi. Comme en école d'ingénieur, on parle surtout anglais, j'ai mis une traduction. Bon, ça m'a permis notamment de travailler ce que j'avais envie de faire et d'arriver en école, j'arrivais pour apprendre l'agronomie, quoi, pas pour me mettre les doigts de pied en éventail. Il y a une deuxième façon de réagir, il les appelle les dévots, j'ai écrit les plus royalistes que le roi pour expliquer un petit peu. C'est des personnes qui n'ont pas les codes sociaux de ce que c'est qu'une école d'ingénieur quand ils arrivent. Parfois même, ils n'étaient pas forcément de classe privilégiée, enfin issus de classe privilégiée. Et puis, quand ils comprennent ce que c'est, et ben là, ils s'y mettent à fond. Ils s'y mettent à fond, c'est même parfois des personnes qui sont en échec scolaire, tellement ils sont à fond dans la fête, dans les traditions de l'école, et ça devient de sacrés visiteurs. En fait. Moi, j'ai vraiment vécu ça, c'est, on voit leur vin, on a leur bière, ils nous imposent tout ça, ils nous imposent leur fête, ils nous imposent leur chant, ils nous imposent leur beat aussi, et puis ils sont franchement pas marrants, une des grosses façons de bizuter aussi, nous, à l'école, c'était d'empêcher de dormir pendant toute la première semaine. Ils cherchaient de nous empêcher de dormir pendant tout le week-end d'intégration, de nous empêcher de dormir. Et du coup, ils jouaient avec l'alarme incendie, constamment. Et le proviseur, enfin le directeur de l'école, avait du coup coupé l'alarme incendie de notre cité des élèves parce qu'il en avait marre de se lever complètement pendant la nuit. Sauf qu'en fait, le dimanche de la première semaine où j'étais à l'école, et ben il y a eu un feu dans la cité des élèves. Et ça fait bizarre quand on est réveillé à 5h du matin par son voisin d'en face, donc c'était Diallo qui vient, qui frappe et qui me dit « Mathieu, il y a le feu, il faut sortir. » Je n'y crois pas trop, enfin, au début j'ai cru que c'était une blague, franchement. Et après, avec l'odeur, on comprend que non. Et puis on sort, et puis en fait, il n'y avait plus d'alarme incendie, donc finalement, il n'y a pas eu de danger pour personne, puisque ça a été dans des salles où il n'y avait pas de personnes qui dormaient, mais ça fait vraiment flipper de voir là où leur connerie peut aller, en fait. Il y a des gens qui ne se posent plus de questions, ils sont en école d'ingénieur, ils ont compris qu'ils étaient supérieurs aux autres, qu'ils étaient l'élite, qu'ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient, qu'ils n'avaient plus besoin de travailler, et ils vont dans le mur, quoi, clairement. Et il nous y emmène aussi, quoi. Si mon voisin d'en face, il s'appelait Diallo, c'est parce qu'en fait, il y avait deux cités des élèves, moi, dans mon école, quand je suis arrivé. Il y avait la vieille, dans laquelle il y avait eu les ingénieurs pendant très longtemps, et puis il y avait la nouvelle. Dans la vieille, on avait des chambres, on avait 12 mètres carrés. 12 mètres carrés, ça doit faire à peu près la Seine, quoi. Et on avait ces chambres là qui étaient vachement bien. Et puis à côté, ils avaient fait la nouvelle, ils avaient mis des studios.
C'est une des studios d'à peu près 20 mètres carrés, donc je pense qu'on va, on va à peu près jusque là, voire plus, et puis ça fait à peu près les studios. Et moi, ma chambre, bah, je l'aimais vachement bien, parce qu'en prépa, j'avais eu 8 mètres carrés pour deux pendant 2 ans. Ça aide à supporter de dire qu'on a l'élite, etc. Et donc, bah, là, 12 mètres carrés pour moi tout seul, c'était génial, quoi. C'était génial, sauf qu'en fait... Ben voilà, globalement, pour la plupart des gens, ça allait pas. Et en fait, il y avait 95% des promos d'ingénieurs qui étaient dans la nouvelle cité, dans les studios. Et du coup, dans l'ancienne cité qu'ils allaient rénover, soi-disant, plus tard, eh ben, on avait les Noirs, les Arabes et les pauvres. Et dans cette autre cité, ils avaient, enfin, vu que les chambres étaient libres, ils avaient permis à des étudiants étrangers de venir ou quoi, parce que les loyers, c'était, enfin, on payait 90 euros par mois, quoi, de logement. Et ben c'était génial, enfin, c'était super. Il y avait une mixité exceptionnelle. Donc Diallo était guinéen, mon autre voisin Abdou était malien, et puis on passait des soirées, ils m'expliquaient leur pays, ils m'expliquaient beaucoup ce qu'ils faisaient, notamment politiquement, et puis eux, politiquement, ils n'avaient pas le choix, ils ne pouvaient pas rester neutres, quoi. C'était tout de suite des contextes beaucoup plus violents dans lesquels ils étaient vraiment dedans. S'ils choisissaient de faire de l'ingénierie, soit pour ceux qui avaient les machettes d'un côté, soit pour ceux qui avaient les machettes de l'autre, et puis c'était, ça rigolait pas, quoi. Et puis il y avait aussi beaucoup de personnes d'Afrique Nord, des Pakistanais, et au milieu de cette vieille cité, il y avait la cafette des étudiants. La cafette des étudiants, c'était le lieu où pendant des générations, les ingénieurs avaient fait la fête. Enfin, voilà, globalement, 2 fois par semaine, mais c'était ouvert tous les soirs pour venir quand même boire tous les soirs. Et c'était un vrai lieu de vie, quoi, pour les ingénieurs. Et le BDE, défendait, bien sûr, qu'on continue de venir dans cette cafette, quoi. Et ça posait vachement de problèmes, parce que c'était des gens qui habitaient plus là, qui étaient à côté, et qui venaient constamment faire la fête là. Et ben, autour, il y avait des gens qui avaient hypothéqué plein de choses, qui avaient endetté leur famille, leurs amis, pour venir faire leurs études en France, et qui se retrouvaient avec des gens pas drôles qui venaient leur casser les oreilles jusqu'à 5h du mat 2 fois par semaine, et ils n'en pouvaient plus, quoi. Et il y avait des vraies tensions. Et donc le bureau des élèves, c'est l'association qui s'occupe de... s'occupe de mettre l'animation, quoi. Dans l'école. Donc défendait tout ça. Et puis un soir, j'étais parti avec Diallo. On était allé visiter dans Montpellier, on était allé se promener. Donc là, c'est l'Arche de Triomphe, quoi. Et on rentre à l'école. Et on arrive tous les deux en pleine soirée cafette. Et Abdou me dit mais Mathieu, qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Pourquoi ils sont là? Pourquoi ils sont là à faire n'importe quoi, à nous imposer leur musique, à nous empêcher de dormir toute la nuit? Pourquoi ils viennent? Pourquoi ils cassent notre cité? Pourquoi ils sont même pas là? Ils viennent, ils font n'importe quoi, ils se mettent tout nus, ils cassent notre cité. Tu vois ces gens-là? Et bien ça, c'est le comportement des colonialistes. Du coup, je lui ai répondu, Abdou, c'est juste des gens qui respectent les traditions. Après, il y en a deux quand même qui se sont fait virer pour racisme dans mon école. Mais franchement, je me demande quelle était la part de responsabilité de l'école là-dedans. Parce que quand on crée un sentiment de supériorité et d'impunité comme ça chez les gens, bah, que ce soit sur supériorité de l'origine, on va dire sociologique, quoi, des classes sociales, qu'on est ingénieur et que les autres ne le seront pas et qu'on peut les exploiter, et que voilà, ou que ce soit sur l'origine géographique, Et puis même de la façon dont c'était organisé, avec d'un côté les ingénieurs tout beaux, tout propres et leur beau logement, et puis de l'autre côté un truc miteux
et les mettre en conflit comme ça, j'ai l'impression que l'école et que ce système école d'ingénieurs, en les virant, c'est aussi un peu laver les mains et c'est un peu dédouaner de la responsabilité qu'ils pouvaient avoir dans l'apparition de ce type de comportement. Et je pense qu'ils ont une responsabilité aussi. Après, il explique qu'il y a une autre façon de réagir, c'est d'être, de se sentir responsable et d'avoir envie de, d'essayer de comprendre un petit peu ce qu'on peut faire avec tout ça, et de travailler notamment. Donc moi, j'ai fait partie un petit peu de ce type de réaction, quoi, d'essayer de s'intéresser, de comprendre le monde, de monter des conférences. Et là, j'ai découvert ce que le mot « censure » voulait dire. On voulait faire venir Samuel Foutoyer pour parler de la France-Afrique. Et le directeur nous a dit non. Non, non, c'est politique. La même chose pour Attac qui devait venir parler des paradis fiscaux. On n'a pas pu. Par contre, il y avait eu... on n'a pas demandé du coup. Il y avait eu un... Comment ça s'appelle ? Une conférence qui était organisée le soir dans un cycle de conférences auquel on était fortement invité à y aller. Et bon, le conférencier qui était là, c'était quelqu'un qui avait travaillé à une banque d'investissement pour le développement et qui nous expliquait un petit peu la réussite des projets de développement et des objectifs du millénaire de lutte contre la réduction de la pauvreté. Ils avaient juste oublié de prendre en compte que les pauvres allaient faire beaucoup d'enfants et que du coup, s'il y avait plus de pauvres aujourd'hui qu'avant, c'est parce que les pauvres avaient fait trop d'enfants, mais que sinon les objectifs avaient réussi en termes de lutte contre la pauvreté. Donc il nous expliquait ça. Il avait été introduit comme un ami du directeur. Et puis on était en pleine primaire pour le Parti Socialiste à ce moment-là. Et il nous explique qu'il y a une seule solution pour sortir de la crise qui est interdite. C'est le protectionnisme. Et nous on était, bon, certes pas forcément d'accord, mais surtout on trouvait que c'était quand même profondément idéologique. Et donc on l'a fait savoir à l'école. En même temps que, écoutez, enfin, vous nous interdisez des conférences sous prétexte qu'elles sont politiques, quand en plus la conférence sur la France-Afrique reste quand même très factuelle. Et là, vous faites venir quelqu'un qui balance que, voilà, le protectionnisme, c'est la guerre et c'est interdit, quoi. Nous, on aimerait bien que vous réagissiez, que vous montrez que ça peut être très controversable, ou quoi. Et le directeur pédagogique de l'école nous a répondu non, non. Tout était très scientifique, il n'y a rien à redire dans cette conférence. Et puis, quand on essaye d'être responsable aussi, ben on se frotte parfois un peu aux autres élèves, quoi. Ou ben, je sais pas, on fait une conférence sur le bien commun, avec film, projection, et puis on essaye de débattre derrière. Et puis, avant d'y aller, on croise des gens, et on leur dit « Ah, tu viens ce soir, c'est là-dessus et tout. » Et là, ils nous répondent « Oh yes, that's well interesting. » Oh yeah, I would like to come. I'm sorry, I can't. I just have to play rugby. But okay, really nice. Next time, sure, I will come. Really great that you make it, guy. S'il y en a qui ont besoin de la traduction, je... En fait, c'est des gens qui sont dans un système où on leur demande pas de se poser de questions. Et ils sont complètement valorisés à ne pas s'en poser. C'était Cécile qui disait hier qu'elle était adaptée parce qu'on ne lui avait pas appris à réfléchir. Bah, c'est un peu ça. Et on peut critiquer, quoi, mais je ne sais pas s'il faut critiquer leur comportement, je ne sais pas s'il faut spécialement leur en vouloir. Mais en tout cas, moi j'étais dans une école où... les gens qui étaient dans l'équipe de rugby se faisaient engueuler, mais vraiment, par leur entraîneur, s'ils allaient à une conférence plutôt que d'aller dans le rugby, parce que c'est plus important d'aller essayer de gagner le challenge entre écoles de rugby que d'aller à des conférences quand on est en école d'ingénieur. Et je pense que ça structure aussi beaucoup ce type de comportement. Toujours Abraham nous explique qu'il y a une autre dernière façon de réagir, c'est les alternatives, c'est de dire « Ben non, nous on vit en dehors de tout ça, on s'occupe pas de comment fonctionne l'école d'ingénieurs et puis on fait notre truc à côté tranquille dans notre coin. »
voilà, c'est des gens qui refusent un petit peu cette domination sociale et cette docilité qu'on leur impose une fois de plus, que cela nous impose une fois de plus à accepter l'ordre des choses, les traditions, qui disent non, nous on a envie de vivre comme on l'entend, on le fait à côté, et puis on fait notre truc. Moi j'étais... dans l'école, j'étais face un peu à tout ce que je voyais, je me suis trouvé un petit peu majoritairement entre les catégories 3 et 4, quoi, globalement. Des fois j'essayais de prendre une bouffée d'air en dehors, et puis parfois d'être dedans et de faire des choses, quoi. J'étais dans l'Hérault, en fait. Appartement 34. Et quand je dis que voilà, qu'il y avait des choses qui me motivaient pour faire des choses, il y avait des cours notamment qui me motivaient vraiment à me bouger pour essayer d'apporter une autre vision des choses. Le premier cours qu'on a en école d'ingénieur, la première module, c'est un module de, c'était en tout cas de philosophie, physiologie, pardon, pas de philosophie, de physiologie végétale. Et donc on a un prof qui est reconnu, qui est responsable d'un mois et demi, du premier mois et demi d'enseignement, c'est-à-dire le seul où on travaille encore un petit peu parce qu'on pense que c'est important de travailler. En fait, non, mais enfin, il n'y a pas besoin. Et donc il nous fait un cours d'histoire de l'agronomie. Et donc il vient, il nous fait son cours et il nous explique que l'agriculture en France, c'est nourrir 20 millions d'habitants jusque dans les années, jusqu'au début du 19e siècle. Et que ça, c'est l'agriculture bio en France. Et que dès qu'on dépasse 20 millions d'habitants, il y a à peu près une famine ou une épidémie, quoi. Et donc, globalement, ceux qui veulent défendre l'agriculture bio, ils prennent une mitraillette et puis ils tuent 2/3 des personnes qui sont autour d'eux. Et moi, j'avais une copine un peu grande gueule. Moi, je n'osais pas trop, j'étais sage. Mais elle avait fait 8T, donc elle était un peu moins formatée. Et elle se lève, et puis, mais monsieur, mais vous pouvez pas dire ça. Et puis elle essaye d'argumenter un peu. Je sais pas si on peut vraiment argumenter face à ce type de discours. Mais... Et donc là, le prof lui répond, écoute, je suis prof, tu es élève, j'ai raison. Et elle, PowerPoint. Et puis j'ai eu aussi des cours d'animal, enfin d'élevage. J'apprenais les PDIE et les PDIL. Les PDIE, c'est l'énergie qu'on trouve globalement dans le maïs, quoi. Et les PDIN, c'est les protéines, l'azote, qu'on trouve globalement dans le soja OGM importé du Brésil ou des États-Unis. Et donc c'est les deux choses qu'il faut pour nourrir des animaux. Et j'avais fait mes cours et j'étais en stage. Et en stage, on me demandait de faire un petit peu un diagnostic de l'élevage. J'étais un peu emmerdé parce que les vaches, elles mangeaient de l'herbe. Et du coup, j'avais essayé de faire des grands pas là, comme ça, pour faire le tour de l'enclos qu'elles mangeaient chaque jour, à peu près avec la délimitation qu'on avançait, pour savoir à peu près combien d'herbe elles avaient par vache pour arriver à voir à peu près ce qu'elles mangeaient, quoi. Après, je me baissais pour mesurer la hauteur d'herbe, quoi, et pour dire, bon, bah voilà, telle surface par telle hauteur, elle mange à peu près tant de volume d'herbe, plus une ou deux bottes de foin, machin, machin. Mais je galérais, quoi. Et du coup, je suis allé voir mon prof d'élevage pour lui dire, voilà tout ça, ce que j'ai fait, comment je fais avec ça. Et là, elle me regarde, elle me fait, mais vous êtes dans un système où les vaches mangent de l'herbe? Oh, mais laissez tomber, vous savez pas faire. J'ai eu des cours d'agroalimentaire aussi. En cours d'agroalimentaire, ils avaient fait venir un intervenant extérieur qui était le responsable, qui était un directeur assez haut placé chez McCain, donc le leader européen des frites. Et il était venu nous expliquer comment McCain faisait du développement durable grâce au Grenelle de l'environnement. Parce que depuis le Grenelle de l'environnement, s'il rajoutait pour sauvegarder l'environnement à la fin de l'intitulé de leur projet de recherche d'amélioration génétique des plantes, ils avaient des crédits recherche, enfin un crédit développement durable de recherche, donc ils gagnaient de l'argent, donc c'était économique, donc comme l'économique ça fait partie du développement durable, ça faisait du développement durable, et puis en plus c'était au nom de la sauvegarde de l'environnement.
Donc ils nous racontaient ça. Et puis j'avais aussi dans ces tuyaux d'agroalimentaire, je devais apprendre les différents conservateurs qu'on a dans les aliments. Et en fait, moi, quand j'avais fait ma première crise d'urticaire, quand j'étais petit, après j'avais fait une réaction croisée à un conservateur. Du coup, j'étais devenu aussi allergique à ce conservateur. Et là, avec tout ce qui se passait, de devoir en plus apprendre ces conservateurs-là, la réaction, elle a été de ce type-là. Il fallait que ça sorte. J'en pouvais plus d'un système où en fait la logique qu'on nous apprend, elle nous permet pas de penser l'hétérogénéité de tout ce qui existe. Elle nous permet pas de réfléchir les controverses scientifiques et le fait que peut-être que la technique elle peut être différente selon le contexte ou peut-être que la technique elle peut avoir différents objectifs politiques. On était vraiment là pour penser voilà ce que c'est que, en tout cas dans tout le tronc commun, voilà ce que c'est que le système agro-industriel global. Voilà ce que vous devez faire, en tout cas vous êtes dans un contexte où vous allez travailler pour des entreprises, où vous allez, enfin vous êtes dans le contexte, comme le disait le monsieur tout à l'heure, de la génération Y, de libéralisme capitaliste, et puis ne pensez pas à autre chose, rien d'autre n'existe. Et puis, qu'est-ce que vous devez faire? C'est défendre votre place là-dedans, quoi. Vous ne réfléchissez pas à ce que vous avez envie de faire. Tout ce qui vous importe, c'est de gagner des sous, de défendre votre diplôme et de faire votre place là-dedans, quoi. Et en fait, tout ça vu comme ça, pour moi, ça n'a pas du tout de sens, quoi. Pas du tout de sens, et du coup, on danse. That's the way it should be. Oh, yeah. J'ai joué Grease à cause d'un ligament qui s'est croisé. J'ai remplacé quelqu'un sur le tas. Mais c'était vachement cool. C'était vachement cool parce que j'étais en fait... j'ai rangé mes lunettes. Ouais. J'étais l'intello à lunettes dont tout le monde se fout de la gueule en fait. C'était assez drôle d'avoir un rôle décalé. Mais Grease, ça représente vraiment pour moi en fait ce que c'est qu'une école d'ingénieur, quoi. On est bien, on vit entre nous, on a des problèmes très superficiels, mais on est des gens cool. Et puis, on reste tous ensemble. On ne sait pas où on va, mais on reste tous ensemble. Et c'est pas la seule chose que j'ai faite non plus. J'ai aussi cherché à être élu étudiant en fait pour essayer de défendre tout ce que de dire ce que j'avais envie d'en dire et ce qu'avec les copains on échangeait et donc j'ai été élu étudiant pour comprendre un petit peu tout ça, que notamment ce que je viens de vous raconter. La première fois que j'ai vraiment commencé à mettre le doigt sur ce que c'était vraiment qu'une école d'ingénieur, dans l'école, et moi j'étais élu au CEVE. Donc le CEVE, c'était le
Conseil des études et de la vie étudiante, c'est en gros une sous-section du CA, du conseil d'administration de l'école. Et j'étais élu là-dedans. Et ce qui se passait, c'est que y avait une loi qui était tombée qui s'appelait la loi LRU. Et elle touchait surtout les universités, mais elle permettait aussi aux écoles d'ingénieurs de créer des fondations privées pour récolter des sous. Et il y a une fondation qui était en train de se monter à l'école. Sauf qu'en fait, on n'entendait absolument pas parler. Le directeur avait simplement averti le BDE. Moi, j'étais élu à la commission pédagogique de l'école. Et puis, j'avais des copains en CA et tout ça. Mais en fait, la première chose que je revendiquais vraiment, c'était d'avoir le droit d'être informé par l'école de ce qui se passait. Parce qu'ils informaient toujours le BDE. Et tout passait par le BDE. Et le BDE était pour eux le seul représentant des élèves. Et en fait, donc on avait réussi à demander, parce qu'on avait quand même un copain, enfin une copine qui était au BDE et qui avait su ça, qui avait compris ce qui s'était passé. Du coup, on avait demandé à tous, à l'école, de nous présenter ce que ça allait être que cette fondation. Et le directeur accepte de nous faire une présentation. Et donc, c'était le directeur adjoint de l'école qui était en charge de cette présentation. Et c'était un mec un peu bourru, un peu brut de décoffrage. Et il nous présente ce que c'est que la fondation, ce qu'il fait tous les jours, quoi. Et puis, il nous dit gentiment, mais l'objectif de la fondation est de formater vos formations aux besoins des entreprises. Oh putain, ça faisait du bien. Enfin quelqu'un qui nous parlait franchement. Et le directeur, il était avec nous en fait. Il regardait les trucs. Bon, il se lève. Oui, enfin, ce que M. de Cornelissen est en train de vous dire, c'est que nous intéressons vraiment à votre employabilité derrière et nous comptons nous assurer que vos formations vous permettront réellement de trouver un emploi plus tard. Le discours sur l'emploi. Le discours sur l'emploi, on l'entend tout le temps. Parce qu'en fait, quand je disais à la CTI, il n'y a que des ingénieurs, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas d'élèves ingénieurs. Il n'y a aucun élève qui est représenté à la CTI pour définir ce que c'est que les écoles d'ingénieurs. La CTI dit, si, on écoute les élèves. C'est-à-dire qu'ils sont parfois en relation, ils posent des questions au BNEI, Bureau National des Écoles d'Ingénieurs, c'est-à-dire c'est l'ensemble des BDE des écoles. Ils se retrouvent pour former le BNEI. La CTI dit si, des fois on écoute le BNEI, et puis eux, ce qui les importe, enfin, vraiment, ce qu'on ressent chez eux, c'est qu'ils ont envie d'avoir un emploi. Hein. Donc nous, on s'occupe de faire en sorte que les étudiants des écoles d'ingénieurs, ils trouvent un emploi. C'est leur principal objectif. Et donc ils disent écouter les élèves, et donc ils n'ont pas besoin de continuer à écouter les élèves, ils font ça dans leur coin. Mais en fait, je suis pas sûr qu'ils aient vraiment envie qu'on ait un emploi. Disons que si ça les souciait vraiment, ils pourraient militer pour que tout le monde ait un emploi, pour qu'il y ait un salaire à vie, ou pour qu'il y ait un droit opposable à l'emploi, ou plein d'autres façons. Mais c'est pas du tout ce qu'ils font, et c'est pas du tout ce qui les intéresse. Ce qu'ils ont envie, c'est d'avoir leur petit chien de garde qui soit bien formaté. Et pour ça, il faut pouvoir continuer à les pressuriser avec le chômage, parce que s'il n'y avait pas de chômage, les gens pourraient peut-être être responsables si on savait qu'on retrouverait du boulot juste à côté ou quoi. Et donc, en fait, c'est pas du tout l'emploi qui les intéresse, et puis surtout encore moins l'emploi des ouvriers, parce qu'on a envie de pouvoir utiliser le chômage pour casser un petit peu les droits et continuer à produire. C'est le MEDEF qui est là. Donc bref, mais c'est quand même le discours qu'utilisent toujours les directeurs ou quoi pour nous faire passer tout ce qui peut être privatisation des enseignements aujourd'hui, c'est pour votre emploi. Et donc ce jour là j'ai compris pour la première fois ce que c'était. Et mes tout débuts, un peu avant, en tant qu'élu, la première réaction quoi, de l'école, ça a été plutôt de me chouchouter. C'était sympa. C'est-à-dire que ils sont contents en fait, parce qu'ils voient des gens qui s'impliquent dans leur formation, qui ne sont pas là juste tout le temps à faire la fête, ça les embête quand même un peu, que les ingénieurs ne se posent pas trop de questions. Donc ils voient quelqu'un, et puis avec d'autres, quoi, on est là à se bouger un peu, donc ils sont contents. On a toujours des sourires quand on va dans leur bureau, alors que les autres... Et puis moi j'ai eu encore des privilèges, quoi. J'ai eu le droit de faire mon stage dans des conditions que les autres n'ont pas eu. J'étais pas au courant qu'ils l'avaient refusé à d'autres. Je savais que c'était interdit, je pensais être le seul à avoir demandé, mais en fait ils avaient interdit à d'autres et moi ils ont refusé. J'ai pu aussi aller porter mes projets à la mairie avec l'école, et on avait rencontré l'adjoint à la culture pour porter les trucs. Enfin bref, voilà, c'est le début de la vie d'élu, quoi.
Après, quand j'ai commencé à avoir un discours qui rentrait pas forcément dans les cadres, là, ils ont commencé à chercher à m'apaiser et à me faire comprendre qu'il fallait pas trop venir sur ce terrain-là. On parlait, en fait, notamment de McCain, quand il était venu à l'école. Et je disais, écoutez, c'est sympa, quoi, que McCain vienne. Hein. Enfin, franchement, moi, j'aime bien, quoi. Hein. J'aime bien parce qu'on comprend bien le contexte. Et moi, je suis venu en école pour comprendre le monde, on comprend bien ce qui se passe. Mais c'est pas le seul. C'est pas le seul, et il y en a plein d'autres, quoi, qui pourraient venir nous expliquer comment ils font de l'agroalimentaire, d'autres entreprises éventuellement, et à différentes échelles, quoi, pas forcément une multinationale. Et puis peut-être aussi des agriculteurs qui transforment chez eux du fromage, des choses comme ça, ou alors des projets de transformation collective qu'ils peuvent avoir. Voilà, c'est pas les seuls. Et du coup, la réponse de l'école, à voir qu'il y avait des élèves qui étaient, parce qu'on était plusieurs quand même à dire que McCain, c'est pas trop normal, et ben ils ont enlevé McCain. Ils ont dit l'année prochaine, non, on va enlever McCain. Mais pas parce qu'ils aimaient plus McCain, juste parce que ça réveillait un peu trop les élèves et que l'objectif, c'est surtout pas de les réveiller. C'était trop visible, en fait. Et ils m'ont apaisé aussi sur les frais d'inscription. Quand j'étais à l'école, les frais d'inscription, ils avaient augmenté de 300 euros. Entre la première et la deuxième année, donc j'étais passé de 1200 à 1500. Et puis là, ils m'ont dit, mais les frais d'inscription, mais ça n'a rien à voir avec l'école, c'est au Knézérav que ça se passe. Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et nous, comme on était en agronomie, donc on dépendait du ministère de l'Agriculture, on a la même chose que les institutions du ministère de l'Enseignement supérieur, mais en doublon, quoi. Et donc, agronomique, agroalimentaire et vétérinaire. Bon, je suis allé au Knézérav. L'année d'après, j'étais élu au Knézérav. Mais c'était pas là que ça se passait non plus. Ça se passait pas du tout là. Ça se passait à la CDEFI. Conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs. En fait, c'est là que ça se passe. Je disais tout à l'heure que là, on avait le législatif, donc ils disent que ça doit être qu'une école d'ingénieurs, et puis le judiciaire, où ils passent dans les écoles pour aller dire est-ce que toi, tu as bien le droit de valider, est-ce que tu appliques bien ce qu'on dit ou pas. Et puis l'exécutif, il est là. En fait, c'est les directeurs qui se rassemblent entre eux et qui définissent un peu tout, quoi. Et quand j'étais au Knézérav l'année d'après, les frais d'admission réaugmentaient de 200 euros pour passer de 1005 à 1007. Et j'ai vu passer la note, bonjour, voilà, nous vous informons, c'était une note informative, on n'avait même pas à valider, que les directeurs des écoles françaises d'ingénieurs ont décidé d'augmenter les frais d'inscription de 200 euros dans les écoles d'agronomie. Mais ils ne m'ont pas dit, hein, quand j'étais élu au CEVE, que si je voulais, je pouvais aller voir le directeur et que peut-être... Enfin, c'est lui qui allait être dans la CDEFI et décider de tout ça, pas du tout. Bref, ils nous perdent là-dedans, quoi. C'était une façon d'apaiser, de nous perdre, de nous renvoyer de l'un à l'autre. Et en fait, de se rendre compte que finalement, dans ces conseils, il ne s'y passait pas grand-chose, quoi. La troisième façon, après, de réagir, après m'avoir apaisé, ça a été de là chercher à me décrédibiliser vraiment. Ce qui s'est passé, c'est que pendant que j'étais à l'école, la direction a décidé de supprimer un concours d'entrée à l'école. Ça s'appelait le concours D. Donc, A, c'était quand on rentrait de prépa, B, DUT, C, quand on avait fait une prépa après l'UT ou après l'école BTS. Et le concours D, c'était une passerelle qui permettait à des gens qui étaient en fac en quatrième année d'arriver en deuxième année en école d'ingénieur, donc de reprendre un niveau Bac plus 4 en école d'ingénieur. Il y avait une dizaine de personnes à peu près par an, et j'ai rencontré notamment une fille qui elle, savait très bien qu'elle voulait faire de l'agronomie, qu'elle savait qu'il n'y avait pas d'agronomie à la fac, et du coup, elle s'était dit, je ferai une école d'ingénieur, mais je n'ai pas envie de faire prépa et tout, je vais faire la fac, et puis après, je prendrai le concours D après mon master 1, et voilà. Ils ont vraiment décidé du jour au lendemain, j'ai été élu de partout, j'ai rien vu passer, ils ont décidé ça tout seul, et donc je leur demande, c'est quand même énorme, quoi, ce que vous êtes en train de faire. Comment ça se fait qu'on n'entend pas parler et tout ça.
Et là, à la fin de la réunion, le directeur est venu me voir en me disant, vous savez, on se questionne beaucoup sur votre capacité à représenter les élèves. Moi aussi, je me questionnais sur sa capacité à représenter les élèves. Parce qu'en fait, je ne sais pas si j'étais peu représentatif que ça. Et notamment dernièrement grâce à notre sociologue qui a fait une thèse sur les écoles d'ingénieurs, il nous a ressorti un petit peu les débats syndicaux qu'il y a eu dans les écoles d'ingénieurs. Et en fait, ce que je disais, c'était complètement défendu par toute une partie des ingénieurs à l'époque. Est-ce que il y a deux personnes qui veulent venir faire un dialogue d'opposition syndicale de vision des écoles d'ingénieurs? Il y a les textes qui sont prêts. Je vous laisse venir. Alors, on a un petit problème historique. C'est que là, on va être dans les années 60-70, donc normalement, il n'y a pas de femmes. Hein. On va dire qu'on accepte. Je vous laisse prendre connaissance deux petites secondes. Je finis d'expliquer qui vous allez être. Non, vous n'êtes pas les mêmes. Je vous répondrai. Monsieur va être l'UGE, l'Union des grandes écoles. L'Union des grandes écoles, c'est l'équivalent du BNEI, qui naît, enfin, à partir des années 45, quoi. On a l'UGE. Donc ça reprend l'ensemble des BDE aussi. C'est un truc très corporatiste et ça défend les écoles d'ingénieurs, la supériorité des écoles d'ingénieurs. Et puis l'UGE arrive dans des périodes assez difficiles avec la guerre d'Algérie et puis après avec mai 68 qui se prépare et tout ça. Et du coup, il se rapproche un petit peu d'autres syndicats, de l'UNEF notamment, et en fait ils vont changer de position sur les écoles d'ingénieurs. On va pouvoir voir après quelle position ils prennent. Et du coup, j'ai pas entendu. Non, c'était donc, moi. Là, c'est l'UGE. Ah, okay. Et là, ça va être toi. Je suis gentil. Et donc, face à ce changement, il y a une réaction quoi, profonde qui se met en place chez les ingénieurs qui disent non, globalement, on oublie les origines corporatistes de la défense et puis. Puis globalement, ça plaisait plus à la CGE, mais ça leur plaisait plus du tout que l'UGE ait changé de discours. Donc, ils ont créé un autre syndicat à partir des années 60, la FNAJ, la Fédération Nationale des Associations Générales Étudiantes. Et ces deux syndicats, dans les années 60 et 70, vont coexister. Et donc, je vais vous laisser jouer comme vous le pouvez les débats qui se passent à ce moment-là. En développant des enseignements à fort contenu idéologique, économie, sciences sociales, conférences de représentants du grand patronat, le pouvoir essaie de mouler les étudiants conformément aux intérêts de la classe dominante. Loin d'être objectif, pluraliste ou même scientifique, le contenu de ces enseignements est marqué par la volonté de faire accepter le système économique et social actuel et ses limites. Ces enseignements contribuent à la reproduction des rapports de domination au sein du système productif en transmettant des savoirs qui se résument à une volonté d'assurer l'assentiment des travailleurs à mettre en place les directives patronales. Nous sommes opposés à un enseignement supérieur inféodé au patronat. Ah, okay. Alors, comme un cadre supérieur doit remplir en dehors de ses fonctions techniques des fonctions de commandement et d'administration, il est nécessaire de prévoir dans les écoles un enseignement économique et social. Nous souhaitons voir cet enseignement tourné vers l'entreprise et donc confié non à des universitaires, mais à des individus représentatifs des débouchés de l'école pour conserver l'aspect concret et proche de leur application. De plus, cette formation socio-économique est une spécificité pédagogique attribuée aux grandes écoles. Elle légitime donc la revendication du maintien de la segmentation de l'enseignement supérieur. Fac d'un côté, grandes écoles de l'autre.
Cette formation tend à conditionner les futurs cadres afin qu'ils se conforment aux normes de l'ordre social existant. Or, l'étudiant est un travailleur intellectuel et non un apprenti cadre. L'évident conditionnement social du milieu cadre empêche l'étudiant de s'interroger sur la validité de la formation reçue et sa signification sociale. C'est pour nous inacceptable. Nous ne voulons pas d'un enseignement décourageant toute tentative de réflexion et conditionnant à la recherche individualiste du profit et de la conformité. A l'inverse, la formation doit permettre au cadre d'être conscient de la situation hiérarchique, économique et sociale qui est la sienne. C'est indispensable à une vraie liberté pour agir en faveur de sa transformation. Mais si. Mais non, non, non. Nous pensons que la grande école doit donner un enseignement général professionnel et seulement celui-ci. Nous croyons que ce n'est pas son rôle de former un futur citoyen. Ce n'est pas l'école du citoyen. Certes, cette formation est nécessaire. C'est le rôle des groupes d'études économiques, des bureaux d'élèves, du syndicalisme, des partis politiques, mais non de la grande école. Les écoles favorisent la passivité de l'élève ingénieur, que ce soit par son maintien dans un certain confort matériel et intellectuel, par la diffusion du mythe de la supériorité de l'ingénieur, transmis par les rites, que sont l'ascétisme des études, la mise en scène d'un concours hiérarchisé et l'autosatisfaction des sociétés d'anciens, ou encore le partage d'un vocable commun restreint à un groupe qui se vit ainsi supérieur aux autres. Nous défendons la démocratisation des études et la responsabilisation des ingénieurs. Par exemple, la participation aux réformes pédagogiques doit être un outil de formation à part entière, comme la première tâche d'adulte de l'élève ingénieur. Non, non, cette politisation de l'UGE est inacceptable. Hein ? Elle abandonne la défense des intérêts des élèves des grandes écoles. Nous entendons renouer avec les origines apolitiques et corporatistes du groupement des élèves d'ingénieurs. C'est dégueulasse. Ah, je vous sens. Et merci d'autant plus que ça fait un aller-retour pour aller les chercher, pour aller les imprimer parce que je les avais. Ouais, donc c'est globalement ce qui se passe entre l'UGE et la FNAJ. Et la FNAJ est énormément subventionnée, enfin en tout cas elle n'a pas de problème de sous. Et l'UGE. Ces derniers articles, c'est on a besoin de sous, on a besoin de sous, on n'a plus de sous. Et début des années 80, bah, il n'y a plus d'UGE, quoi. Alors que l'UGE, dans les années 68, a joué un grand rôle dans les écoles d'ingénieurs, a été majoritaire dans certaines écoles, a réussi à mettre des grèves, à faire pas mal de choses, mais elle disparaît. Et globalement, depuis les années 80, eh ben, il n'y a plus que la FNAJ qui représente le syndicat des écoles d'ingénieurs. Mais à un moment donné, quand même, il y a des gens dans la FNAJ qui ont avancé un petit peu. Et là, il y en a d'autres qui ont dit non, non, ça c'est pas normal, on va faire de nouveau une réaction. Et on va créer PDE pour la défense des étudiants. De nouveau un syndicat apolitique, réactionnaire, et qui ne s'occupe absolument pas d'idéologie. Et donc aujourd'hui, le BNEI est représenté par PDE, bien sûr, il adhère à PDE, sans qu'aucun ingénieur ne soit vraiment au courant qu'il est représenté par ce type de syndicat, l'objectif étant de politiser le moins possible tout ça. Donc moi j'étais élu de ce côté-là, et globalement, bah, je me suis surtout rendu compte de ça. Là, il peut se passer des choses. Là, il y a un petit théâtre pseudo-démocratique. Dans ces instances, il y a la société civile, il y a les étudiants, il y a plein de gens qui sont représentés, mais c'est pas là qu'il se passe des choses, quoi. Et les élèves, en fait, qui sont au BNEI, donc représentés par PDE, ben, on dit qu'ils sont représentés à la CTI, mais en fait, c'est surtout la CTI qui dit un petit peu les écouter, parce qu'ils ne siègent pas. Et si jamais ils ont envie de dire quelque chose qui ne les intéresse pas, bah la CTI va leur dire, écoutez, vous n'êtes pas là pour ça, donc voilà, c'est tout, quoi. C'est un peu la situation quand on a envie d'ouvrir, de chercher à comprendre ce qui se passe en école d'ingénieur. Un rouge.
pas vraiment. Qu'est-ce que c'est? Rose. Bordeaux. Bon, alors on va dire que c'est rouge Bordeaux sur deux tiers. Là. Mais l'autre tiers là, c'est autre chose. Qu'est-ce que c'est? La crème de cassis. C'est un communard. Voilà, moi j'ai pu faire cette expérience-là, et donc bah, la dernière réaction après avoir décrédibilisé de ma direction d'école, ça a été de dire ce que vous savez déjà, qu'on a dit au début quand on leur a présenté un peu tout ça, mais si vous pensez tout ça des écoles d'ingénieurs, c'est-à-dire si vous êtes sur une position globalement de l'UGE dans les années 80, bah, vous n'avez rien à faire dans les écoles d'ingénieurs, et puis allez à la fac. Donc à ce moment-là, je me suis dit, moi, j'ai pas envie vraiment forcément d'aller à la fac. Enfin, j'ai envie de continuer mon école d'ingénieur. J'ai envie de continuer parce que je sais qu'en dernière année, je pourrais faire des choses intéressantes. Et donc, j'ai fait notamment ma dernière année cohabilité entre la fac et mon école d'ingénieur. Donc, j'étais un peu entre les deux, mais il y avait une formation qui était différente. Et donc, j'avais pas envie d'arrêter, quoi. J'avais pas envie d'arrêter parce que l'agronomie, ça m'intéressait. J'avais envie d'en faire des choses. Mais j'ai tenu en me disant, à la fin, je refuserai mon diplôme, quoi. Et comme ça, ça me permettra de leur dire tout ce que j'en pense et de leur dire que je ne suis pas dupe de tout ce qu'ils m'ont dit et de ce qu'ils ont voulu me faire faire et que je suis là et que je résiste et que la façon dont ils avancent, pour moi, je trouve que c'est profondément dangereux, quoi, ce qu'ils peuvent faire et former dans leur tronc commun pour les ingénieurs. En fait, je dis que j'ai refusé mon diplôme d'ingénieur, mais c'est un peu faux. En fait, je suis en échec scolaire. Je suis en échec scolaire parce que j'ai jamais travaillé en école d'ingénieur. Enfin, j'ai quand même validé l'ensemble de mes ECTS, hein, c'est pas le problème. Mais c'est juste qu'il y avait un truc en plus où, que j'ai pas eu du premier coup et qu'il aurait fallu que je travaille un peu si j'avais voulu l'avoir. Ça s'appelait le TOEIC. Quand je suis rentré dans mon école, le TOEIC, il n'était pas obligatoire pour être ingénieur. On pouvait passer un équivalent, quelque chose comme ça. Puis un jour, la CTI est arrivée, elle a dit « Eh oh, non, le TOEIC est obligatoire, vous arrêtez vos conneries là. » J'étais élu, on ne m'a pas demandé mon avis, et donc le TOEIC est devenu obligatoire. Et là, je me suis dit « Non, moi je suis désolé, je ne l'aurai pas. » Je ne l'aurai pas parce que je ne comprends pas en fait pourquoi je devrais passer un diplôme de langue anglaise. Ça, c'est ce qu'on nous dit, un diplôme de langue anglaise. Mais en fait, le TOEIC, ça a été créé par les Japonais dans les années 80 pour s'assurer que leurs élèves puissent faire du commerce avec les Américains. Donc globalement, c'est un diplôme qui permet de s'assurer qu'on est bien fait pour les multinationales et pour pouvoir faire du commerce à l'international. Donc quand je dis que je ne comprends pas le sens de ça, en fait, c'est plutôt je comprends très bien et pour moi, c'est révélateur de toute la façon dont on va être orienté le titre d'ingénieur et avec laquelle je ne me retrouve pas du tout. Et d'autant plus que le TOEIC, c'était un diplôme privé et j'ai fait toute ma scolarité dans le public et je pense qu'on peut encore aujourd'hui demander à une école publique de nous former pour l'intérêt général, pour comprendre tout ça, pour penser l'ingénierie, et pas pour être formaté pour les besoins des industriels. Et donc, j'ai pas eu mon TOEIC. Et j'ai pas eu... Elle est où ? J'ai pas eu cette brique-là, de titre d'ingénieur, quoi. Le titre qui nous place comme supérieur au reste du monde, et que normalement, on a envie d'avoir. Donc je disais au début que c'était longtemps une insoutenable soutenance. C'est pas de moi, hein, c'est de Serge, il est pas là, mais je lui fais un petit coucou. C'était un des copains de la formation. On m'a dit en fait, quand j'ai expliqué que je voulais pas l'avoir, on m'a dit mais tu peux pas faire ça. Enfin, on peut refuser une légion d'honneur ou quelque chose comme ça quand on a fait quelque chose, mais tu peux pas refuser un diplôme d'ingénieur. On m'a dit mais tu te rends compte, l'image que tu vas donner de l'école. Puis en plus, c'est pas la pire. Enfin, franchement, t'es difficile, quoi. Enfin, on m'a dit aussi, c'est un comportement, mais de gosse de riche, quoi, qui se rend pas compte
de la valeur des études, de ce que c'est qu'un diplôme, de ce que c'est qu'un titre d'ingénieur, et tu te permets d'envoyer chier tout ça. On m'a dit, mais faut être constructif, hein. Ça sert à rien de refuser un diplôme, ce qu'il faut c'est construire, quoi, et c'est dire pourquoi tu refuses tout ça. Bon, du coup, ça a été un peu long, pas facile, quoi. Mais il y a un moment donné où j'estime que j'ai le droit de faire des études pour devenir ce que j'avais envie de devenir, que j'avais le droit de dire qui je suis, de dire ce que je pense, et que vu mon parcours dans l'école d'ingénieur, bah ça allait à l'opposé, et que j'avais l'impression de devoir constamment rentrer dans des cadres et d'être lié à un type d'exercice qu'on voulait me faire faire, et moi ça allait pas, et je voulais dire que j'existais. Et donc j'ai été jusqu'à oser refuser ce diplôme, quoi. Et du coup je l'ai défoncé. Ça, c'était la fin de l'histoire, mais... Avec Ingénieurs sans frontières, on a réalisé un manifeste, en fait, qui dit ce qu'on pense des écoles d'ingénieurs et ce que devraient être les formations en ingénierie aujourd'hui. Et donc on le défend et on reprend. Et on a été un peu présenté comme le seul mouvement en école d'ingénieurs qui pense aujourd'hui de façon politique l'ingénierie. Moi, je pense qu'on reprend, après 30 années de vide, un débat qu'il y a eu sur qu'est-ce que doivent être les écoles d'ingénieurs au sein des étudiants. Et donc on pense que dans l'apprentissage de la technique, il faut révéler le sens politique qu'elle peut avoir, et donc la relier à quel projet de société elles peuvent défendre différents choix techniques et au contexte dans lequel on est. On défend le fait qu'il faut pouvoir penser l'organisation du travail, avoir des cours de sociologie critique pour nous permettre de penser les façons de travailler avec lesquelles on a envie de travailler, et pas juste être formé à être cadre. On pense que la privatisation des enseignements, il faut la freiner, voire même l'arrêter, parce que ça n'a pas lieu d'être aujourd'hui d'utiliser une logique de socialisation des coûts et de privatisation des profits de l'école d'ingénieurs, et que si, en tout cas pour les écoles publiques, on ne doit pas être formaté aux besoins des entreprises. Et on pense que la gouvernance des écoles d'ingénieurs, elle doit être revue complètement. Globalement, que la CTI doit exploser, quoi, et qu'il y a réellement à avoir des réflexions démocratiques sur comment on a envie de former les personnes qui seront à même de mettre en place l'ingénierie. Voilà, moi je venais d'un milieu pas du tout politique ou quoi à la base, et une des choses qui m'a permis notamment de me former, ça a été les chansons. Les chansons à texte, et je voulais simplement finir avec... Il y a eu Antoine avant moi, il y a eu Dylan avant lui, après moi qui viendra, après moi c'est pas fini. On les a récupérés, oui mais moi on n'aura pas. Je tirerai le premier et je viserai au bon endroit. J'ai marché, j'ai chanté 10 fois, 100 fois. J'ai crié sur tous les toits. J'ai crié sur tous les toits. Ce que je pense de toi, société. Société, tu m'auras pas. J'ai marché sur bien des routes, j'ai connu bien des patelins.
Partout on vit dans le doute, partout on attend la fin. J'ai vu ce que tu faisais du peuple qui vit pour toi. J'ai connu l'absurdité de ta morale et de tes lois. J'ai vu pousser les barricades, j'ai vu pleurer mes copains. J'ai entendu les grenades tonner au petit matin. J'ai vu occuper ma ville par des cons en uniforme, qui n'étaient pas vraiment virils, mais qui se prenaient pour des hommes. Demain, prends garde à ta peau, à ton fric, à ton boulot, car la vérité vaincra, la commune repart. Mais en attendant, je chante et je te crache à la gueule cette petite chanson méchante que t'écoutes dans ton fauteuil. Société, société, tu m'auras pas. Et merci à tous ceux qui s'occupent du festival et qui font tourner ça, et qui, enfin du marathon, et qui ont fait la technique et qui font qu'on peut s'exprimer, parce que si j'ai fait une conférence, c'est pour pouvoir la jouer, et ça fait plaisir d'être invité, et bravo à Nadia. Merci.